Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo unboxing avec un de mes partenaires fidèles depuis le début de la chaîne qui est la société DI Digital Art. Voilà, donc ils m'ont proposé de choisir des produits avec un certain budget. Donc j'ai essayé de prendre des choses qu'on ne voit pas partout. Je crois que par contre celle-là, je l'avais déjà prise chez un autre partenaire, mais bon, c'est pas grave. Je vais en avoir besoin pour moi ou pour ma maman. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi, mais j'avais pris chez un partenaire des sous-verres Gnome et je croyais ne pas les avoir pris. Donc je les ai pris. Donc je les ai en deux fois. Donc c'est pas très grave. Il y en aura pour moi et il y en aura pour ma maman. Voilà, parce que ma maman, elle aime aussi décorer. Alors celui-là, il ne veut pas se décoller. Hein. Voilà. Donc il y a 8 petits sous-verres avec des petits personnages de Gloom. Voilà. Donc vous avez retiré le petit plastique là. Hop. Vous diamantez. Vous vernissez et ça décore bien votre table de Noël. Vous avez ensuite donc le petit liège à coller en dessous, ce qui fait que ça permet d'éviter de bouger sur votre table. Et une fois que vous avez fini, vous les rangez dans leur petite boîte. Je trouve ça trop bien. Donc on a des petits diamants strass sur le thème de Noël. Des bleus, des jaunes, des verts, des argentés, des rouges, des dorés. Voilà, donc il n'y a plus qu'un. Et vous avez le petit tout le kit avec donc le petit plateau, le pan de colle et le petit stylet. Pour démarrer, franchement, ça suffit amplement. Donc, ces petits sous-verres chez DI Digital Art sont vendus au prix de 14,03 €. Voilà. Donc, vous en avez 8, hein, d'accord. Ça fait pas très cher le sous-verre. Donc ça, ça va être sympa pour ma table de Noël. Ensuite, toujours pour ma table de Noël, parce qu'en ce moment, je suis plus sur Noël. Donc j'ai pris ça, je ne connaissais pas et on va regarder ensemble. C'est des petits accroche-verres. Tu vas dire des accroche-verres. Oui, c'est pour mettre sur vos verres à pied par exemple. Ou pour mettre sur votre table aussi. Hein. Donc là, il est présenté plutôt. Ah oui, voilà, c'était plutôt un accroche-verre parce que du coup, vous diamantez le petit objet et vous n'avez plus qu'à mettre l'anneau. Normalement, il y a un anneau à mettre. Voilà, ensuite vous mettez ça, hop, alors vous pouvez, je crois, ne pas forcément mettre l'anneau, voilà, vous glissez dedans, bien sûr, voilà, il faut que ça me lâche des mains, hop, et vous pouvez donc l'accrocher sur votre verre sur la table, je trouve ça trop sympa. Moi souvent je mets les prénoms ou j'ai des petites choses, mais là je me suis dit cette année ça va changer, donc on va mettre ça sur les tables de Noël. Voilà, donc ils ont fait ça et j'avais pas encore vu ça nulle part, donc je m'étais dit on va les prendre. Donc il y a les deux faces à diamanter. Donc on a le petit bougeoir, là on a un petit bonhomme de neige, un petit chapeau de Noël, un petit élan, monsieur Papa Noël, une petite boule et la maison pain d'épices. Voilà, ah et puis le petit, je pense que c'est un petit gâteau pain d'épices aussi. C'est trop mignon, j'adore, je suis trop contente de mon choix. Voilà, donc 1, 2, 4, 6, 8, voilà, donc je pense que 8 convives à Noël, hein, ça devrait aller, donc je ne sais pas si on sera 8, mais bon, après on pourra peut-être les mettre aussi sur la table de Nouvel An, si on fait Nouvel An, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire, mais ces petits accroche-verres, hein, j'ai trouvé ça très sympa, avec les deux sous-verres que je vous ai montrés en gnome, je pense qu'on peut avoir déjà une belle table bien colorée, donc ces petits accroche-verres, ils sont vendus au prix de 6,43 €. Voilà, donc vous avez les petits anneaux. Donc, on va regarder un petit peu comment ça se met. Mais je pense que ça ne doit pas être très compliqué. Hein. Je vais éviter de les perdre. Donc, je les range tout de suite. Voilà. On a donc aussi le petit stylet, le petit pain de colle. Et on a aussi, bah, comme d'habitude, hein, des diamants strass. Là, c'est des tout petits. Tout petits, tout petits de couleur. Bah oui, parce que comme c'est pas très grand. Donc en fin de compte, on a des petits diamants. Voilà, et ben hâte de démarrer ça dans ma préparation de ma déco de Noël. Et puis alors j'ai pris ça. Alors je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Il semblerait que ce soit des adhésifs qui vous permettent de mettre vos toiles sur le mur. Donc pas besoin de clouter. Donc j'ai vu la démonstration sur la chaîne. Je ne sais pas si c'est bien ou pas.
comment ça se colle et ça se décolle. Donc je regarderai ça et puis je vous dirai si vraiment c'est génial. Mais il semblerait que voilà, c'est un. Donc vous décollez, voilà, et vous recollez. C'est comme du double face, je pense. Hein. Mais ça vous permet d'accrocher vos toiles. Donc je m'étais dit, bah écoute, je ne sais pas comme dans la durée, si ça abîme le mur ou si vous le mettez sur moi. Ici j'avais des supports en bois. Donc ça abîmait pas trop, mais je pense que sur du papier peint, sur du mur, ça doit quand même abîmer. Donc on verra bien. Je testerai, je vous dirai ça. Donc là, j'en ai quand même un gros lot. Donc il y en a des différents. Donc il faut aller voir. Hein. Ils expliquent bien sur la boutique. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la boutique de DI Digital Art. Et donc ces petits adhésifs pour suspension. Donc tout le lot là, il est vendu au prix de 2,85 €. Voilà. Donc, je vous ferai un petit retour, comme d'hab, hein, je vous dirai si c'est bien ou pas bien. Et des fois, j'ai pris des trucs, c'était pas bien, et je me suis pas cachée, je vous l'ai dit, je l'ai dit aux vendeurs. Donc, voilà, le but, c'est d'avoir des partenaires, mais aussi de leur dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, pour faire un retour auprès de nos abonnés, quoi, puis de leurs clients. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que ce petit unboxing avec mon partenaire DI Digital Art vous a plu. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ces petites nouveautés. Dites-moi si vous seriez tenté à en prendre ou pas, ce que vous en pensez. J'aime bien avoir vos avis. Allez, je vous embrasse bien fort. Aloha !